Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours sous le magnifique soleil de Marrakech. Aujourd'hui, on va parler franchise de lavage haute pression, lavage automobile et particulièrement l'enseigne la plus connue en termes de notoriété qui est l'éléphant bleu. C'est la première fois, il me semble, depuis longtemps qu'ils étaient de retour sur le salon franchise Expo Paris cette année en 2018. Et en fait, c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé en franchise en 2006, c'est quelque chose que j'ai regardé parce que ces centres, et je me souviens, il y en avait un à côté de chez moi. Et c'était toujours plein de monde. Et je me suis surtout aperçu en plus que c'était que de la marge. Il faut savoir qu'un centre éléphant bleu, ok, c'est des petits tickets moyens, ça vous coûte que quelques euros pour laver votre voiture. Les gens vont pas dépenser 50 euros, ça c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que de la marge, grosso modo. Il y a très peu, l'eau est recyclée, ok, vous avez un peu de produit, un peu de savon, un peu de sel, mais vraiment pas grand chose. Donc ça m'a tout de suite semblé un investissement intéressant. Et quand j'ai regardé en le détail, effectivement, ils annoncent, voilà, ça dépend, mais on va dire 120 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par centre, ce qui n'est pas beaucoup, mais par contre, ils vous annoncent en résultat la moitié. Là, ce qui pour la peine est énorme, c'est pour vous dire à quel point, justement, il n'y a pas beaucoup de frais. Naturellement, si vous n'avez pas d'employé, mais ça veut dire que si vous avez un centre qui fait 120 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, naturellement, il vous resterait 60 000 dans votre poche, ce qui fait quand même 5 000 euros de salaire par mois. Et je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas beaucoup de travail. Souvent, quand vous allez dans des centres comme Éléphant Bleu, d'ailleurs, vous ne voyez jamais personne. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi me semble intéressant. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en fait, le problème d'un centre Éléphant Bleu, si c'était si simple, tout le monde le ferait, c'est que il faut quand même des grandes surfaces. Il faut 1000 à 1500 mètres carrés de terrain. Et le problème aujourd'hui, parce que moi, le centre dont je vous parle, c'est qu'il est très bien situé à côté de grosses agglomérations. Mais aujourd'hui, ces terrains, eh bien, ils valent de plus en plus cher. Et donc ce que je vous parle là, c'était maintenant il y a déjà 12 ans, je pense qu'il était là depuis au moins 10 ans, donc ça fait plus de 20 ans, et à l'époque c'était pas les mêmes loyers, ce qui serait même carrément propriétaire, parce que c'est dans une zone commerciale, il est peut-être carrément propriétaire du terrain, où à l'époque voilà, il a négocié un très bon loyer, depuis le bail a continué comme ça, et naturellement il le garde précieusement. Mais aujourd'hui, pour moi, la difficulté d'un centre éléphant bleu, c'est de trouver le bon emplacement sans naturellement payer une incroyable fortune, j'ai envie de dire, en termes de loyer, parce que c'est ça du coup qui va gréver votre investissement. Et il faut savoir par contre que ça demande quand même pas mal d'apports, parce que vous l'avez remarqué, il y a quand même là pour la peine des machines, et surtout il y a de l'enrobé, il faut quand même faire les pistes et tout, et ça, le macadam, il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc en termes d'apport, ils disent qu'il faut au moins 70 je crois à 120 000 euros d'apport, et que ça vous coûte vite, un centre peut vite coûter entre 200 et 500 000 euros. Vous voyez, c'est très cher, bah oui, parce que 1500 mètres carrés à aménager, si vous partez d'un terrain, on va dire d'un terrain brut, c'est à dire juste de la terre dessus, et que vous devez tout faire. Il y a tout le raccordement des canalisations, comme j'ai dit, il y a tout l'enrobé à faire, la pose des machines, et en fait c'est surtout ça, eh bien, qui va vous coûter cher. Et ensuite, je pense qu'avec un centre, même si sur le papier ça rapporte 5000 euros par mois, si vous avez investi 500 000 euros, c'est que voilà, vous avez quand même des moyens et vous voulez pas gagner simplement 5000 euros par mois, donc il va falloir en ouvrir plusieurs. Et moi, j'avais regardé, effectivement, pour que ça soit rentable, je pense qu'il faut au moins 3 centres. Et là, à la rigueur, vous prenez quelqu'un à mi-temps aussi qui s'en occupe, qui passe dans les centres pour récupérer, vider les monnayeurs, pour voir aussi comment ça se passe tout ça, remettre du savon, vérifier quand même l'entretien, parce qu'il y a quand même des gens qui vont laver là-bas leur quad par exemple après avoir fait une balade dans la forêt, donc il y a de la boue à peu près partout, donc je pense qu'il y a quand même de l'entretien. Les redevances sont faibles parce que vous payez que par piste, donc qu'importe le chiffre d'affaires que vous faites, vous payez, je sais plus, c'était pas très cher, je crois que c'était 200 euros par piste. Donc si vous avez un 5 pistes, et ben vous payez 1000 euros par mois de redevances. Ou si les droits d'entrée n'étaient pas excessifs, je crois 12 à 20 000 euros selon les centres. Donc on n'est pas là-dessus, voilà, c'est vraiment pas exagéré. Moi, je pense que comme je l'ai dit, je pense que c'est bien, que c'est des trucs qui marchent justement sans trop de travailler. Vous avez pas de produits frais à gérer, vous n'avez pas de personnel à gérer, c'est quand même super simple, vous avez beaucoup de marge. Mais par contre, la grosse difficulté, eh bien, c'est de trouver l'emplacement du centre. Donc si vous êtes mobile, vous, géographiquement, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour votre projet à déménager, là, je pense que c'est très bien pour vous, parce que du coup, peut-être que Éléphant Bleu, eux, ils ont des propositions, voilà, de centres à certains endroits. Et donc si vous êtes mobile, vous pouvez dire, ok, ben moi je déménage et je vais m'installer à côté. Par contre, si vous habitez région parisienne, je pense que ça va être compliqué de trouver
un bon terrain au bon prix, au bon endroit, et surtout où il n'y a pas déjà un centre dessus, parce qu'il faut savoir aussi que des centres maintenant de lavage auto, il y en a un petit peu partout. Voilà, donc c'est pas voilà, je pense que c'est une bonne franchise intéressante quand même. Voilà, vous pouvez toujours jeter un œil, c'est pas mal expliqué sur leur site internet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un gros pouce bleu comme ça, partagez-la avec les gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes mes dernières vidéos et mes avis, surtout sur les différentes franchises. Voilà, moi je vous donne des avis francs et directs. Quand c'est pas bon, je vous le dis. Quand je pense que c'est bien, je vous le dis aussi. Voilà, je suis quand même le seul actuellement sur YouTube à faire ça, et surtout d'avoir la légitimité pour le faire, parce que moi, eh bien, j'ai ouvert 10 différents magasins, mais surtout, vous le savez, j'ai travaillé avec différentes marques. J'ai pas resté que sur une marque. Je ne suis pas resté franchisé. J'ai été franchisé, multi-franchisé, pluri-franchisé, master franchisé, importateur exclusif de marque, créateur de marque. Donc voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, ce qui me permet aussi de vous donner, je l'espère en tout cas, des avis vraiment pointus et que vous appréciez. Et justement, si vous ne me connaissez pas plus que ça et que vous me découvrez, n'hésitez pas, il faut cliquer voilà, tout de suite ici sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Vous aurez justement mon parcours, comment j'ai démarré, vous allez découvrir les magasins, les marques avec lesquelles je travaille, et surtout comment, bien, quand je me suis lancé en seulement 3 ans, j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros. Voilà, vous cliquez ici et bien sûr, c'est totalement gratuit. Vous verrez, la présentation, elle dure un petit peu plus d'1 heure. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.